Yeah, yeah, selfie Tiang. Rest in peace à Marjorie. J'pense qu'il faut en parler de l'intimidation. Ça touche plein trop de monde. Faut suivre le mouvement. Ouais, check ça. J'ai lu cette lettre. Marjorie étant l'auteur, celle qu'on a tellement blessée que même la mort faisait plus peur. Imagine le mal quand le ciel et la terre ne t'y cachettent. Au fond d'elle-même, vois-tu toute la peine qu'elle cachait. C'est plus que des insultes que tu lances à son insu. C'est lui donner l'envie de fuir en lui bloquant tous ses issues. C'est la tapasser à coups de parole, à coups de regard. C'est carrément donner l'invitation de mourir à son égard. C'est ce que ressent un kid intimidé à l'école ou en dehors. Ouvrez vos yeux, y'en a partout dans le décor. Ça fait mal, ça crée des larmes, de l'effort. Ça brise des cœurs et ça pend des corps. Je vois tous les jeunes qui se foutent de ce que les gens disent. Malheureusement, y'a trop de jaloux qu'ils négligent, ouais. Props à ceux qui vivent ou se battent pour ceci. Ceux qui ont péri, rest in peace aussi à Marjorie. J'ai entendu l'histoire, victoire des méchants, mais tes proches lâchent des cris de mort. C'est pas facile, je réalise qu'on vit d'un monde de fous sombres jours. Ceux qui t'aiment se morfondent de tout leur cœur. T'avais 15, tu paraissais bien. Voir que c'est la fin, ils ont pris ta vie, puis on savait rien. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ta lettre d'adieu. Je me suis dit, c'est pas la mort, mais de l'aide. Car je pense qu'à ceux qui ont détruit Marjorie, puis sa famille, Chantal Grey, puis Destiny, sont tous sans larmes, ça n'a pas de prix. 15 ans sans voir l'avenir, fallait vraiment vous soyez cruel. Désolé, ma belle, mais ta place, c'est peut-être pas au ciel. Ça vient de nous chercher, ta confiance ils l'ont percée. J'imagine même pas les larmes que tes proches ont versées. À genoux les yeux, rivés vers les cieux. Prends conscience que la vie c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ah. Chantons pour les hommes perdus. Pour ceux qui souffrent en silence, qui entendent tellement mal. Intimidation, faut la stopper, point final. Chantons pour les hommes perdus. Pour ceux qui souffrent en silence, qui entendent tellement mal. Intimidation, faut la stopper, point final. Parfois on réalise pas tout ce qui se passe autour. Et ça me désole devant l'humain, se prendre pour un vautour. Ouais, j'écoute les témoignages des victimes, puis ça me prend le cœur. Si je le ressens dans le mien, imagine dans leur. J'ai à parler à ceux qui confrontent à chaque chose. Je dois qu'à chaque seconde, le poids vient de plus en plus lourd. Souvent devant un sourire, derrière la personne s'effondre. Faut en parler avant que le ciel devienne de plus en plus sombre. Même si leur peine est transparente, j'en entends toutes les couleurs. Même si c'est pas ma petite sœur, j'en perçois toutes les douleurs. Faut se tenir tout ensemble pour la cause et pour le bien de ceux qui veulent le dénoncer, puis ça mène à rien. Faut embarquer dans le mouvement contre l'intimidation. Trop de vies se sont perdues, faut cesser d'imiter l'action. Props à ceux qui vivent ou se battent pour ceci. Ceux qui ont péri, rest in peace aussi à Marjorie. J'entends pour les hommes perdus. Pour ceux qui souffrent en silence, qui entendent tellement mal. Intimidation, faut lâcher.